Bonjour à tous, c'est Alex Siberger en direct du salon Franchise Expo Paris. Je suis actuellement sur le stand de Joue et Club en compagnie de Franck Mathé. Bonjour. Bonjour Franck. Alors dites-nous un peu plus, voilà, sur l'enseigne Joue et Club, de finalement depuis quand elle existe. Est-ce que c'est une enseigne d'origine française? Combien vous avez de magasins? Un petit peu que les gens qui regardent cette Absolument. Vidéo puissent en savoir plus sur vous. Oui, Joue et Club, c'est une enseigne qui existe depuis 65 ans aujourd'hui. C'est le plus grand réseau de magasins de jouets qui sont des commerces indépendants, donc ce D'accord. sont des patrons propriétaires de leurs magasins. Okay. Il y a aujourd'hui 348 magasins sur 5 pays, principalement en France, ouais. et ça représente 648 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord, donc c'est des gros chiffres d'affaires par magasin. Donc ce sont des chiffres d'affaires... Non, pourquoi gros? Non, vous allez couper au montage, là. Non, ce sont des magasins qui ont en fait des formats différents. D'accord. On a des magasins le plus grand à 2200 m², le plus petit de l'ordre de 200 m². Donc, ce sont des magasins qui s'adaptent en fait à leur zone de chalandise, okay. à leur capacité de vente en fonction de la ville où ils sont. Et donc, finalement, aujourd'hui, Joue et Club est arrivé à prendre une position de leader sur les indépendants qui fait de Joue et Club l'enseigne de référence en France. Et en Italie et aussi au Maroc. Donc c'est vraiment aujourd'hui l'enseigne qui est la plus dynamique sur le marché du jouet en France. D'accord, donc on va dire qu'en fait vous vous adaptez à la surface de vente disponible. Vous avez des très grands formats, on vient de le dire, 2000 m², et vous avez aussi des plus petits formats. Oui, le principe en fait d'un commerce, c'est de s'adapter à ses capacités de vente. Et donc Joue et Club propose finalement une souplesse à la fois dans l'organisation, dans l'implantation, dans la mise en œuvre de la marque, D'accord. qui permet de s'implanter sur des très grandes surfaces, comme c'est le cas à Paris, ouais. ou bien sur des surfaces beaucoup plus petites, dans des petites villes de province, de façon à avoir finalement une structure de magasin qui puisse être rentable. Puisque pour qu'une enseigne dure 65 ans, ça veut dire que depuis 65 ans, il y a des commerçants qui nous ont rejoints et qui ont bien gagné leur vie et qui continuent aujourd'hui à bien fonctionner dans le marché du jouet. Effectivement, et depuis 65 ans, il y a aussi énormément d'évolutions qui sont venues justement sur les centres-villes, puis ce qu'on appelle les hypermarchés. Aujourd'hui, on retourne un petit peu aussi sur des formats peut-être un peu plus aussi de proximité. Et puis c'est vrai que pour le maillage du territoire, on ne peut pas faire non plus que les plus grosses zones de France et délaisser, on va dire, le reste de la population française. Il faut pouvoir avoir une offre pour eux aussi. Et ça vous permet, je suppose, aussi d'avoir différents apports, on va dire, pour les partenaires aussi. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du magasin, Joue et Club, c'est aussi un site internet, c'est aussi du drive, donc c'est aussi des D'accord. services omnicanaux. Donc ce qui fait qu'on arrive à couvrir les zones des magasins et au-delà grâce au digital. Et bien évidemment, en fonction de l'entrepreneur qui veut se lancer au sein de la grande famille de Joue et Club, eh bien, selon ses moyens, selon sa situation géographique, il y a des possibilités qui là aussi permettent de s'adapter. D'accord. Donc je crois qu'un des mots-clés en fait, du concept Joue et Club, c'est l'adaptation. L'adaptation. Voilà, c'est-à-dire qu'on va s'adapter à ses clients, mais avant on va s'adapter à son projet professionnel, à son projet entrepreneurial. Et puis derrière, c'est une équipe dédiée au sein du développement, qui est là pour accompagner les futurs adhérents. Et puis ensuite, c'est la grande famille Joue et Club, où là, vous avez des interlocuteurs qui sont aussi des patrons indépendants, propriétaires de leur magasin. Et c'est eux qui vont vous aider, vous accompagner pour faire en sorte que votre business au quotidien soit une réussite. D'accord. Ok. Et du coup, le type, c'est de la franchise pure ou c'est un autre type de contrat du coup? Alors, Joue et Club, c'est une coopérative. C'est une coopérative. Donc, en fait, c'est un système où on est assez libre et en même temps, on va participer de façon active au quotidien de l'enseigne, à sa gestion, à son marketing. Mmh. Donc, c'est une formule qui est assez souple, mais qui permet à chacun de bien trouver sa place et de pouvoir avancer. Et même d'ailleurs pour certains commerçants, d'ouvrir un deuxième, voire un troisième magasin au sein du réseau Joue et Club. D'accord, c'est intéressant effectivement parce que les coopératives finalement, il n'y en a pas tellement beaucoup de franchises, de licences de marques, d'autres modèles, mais c'est vrai que les coopératives, je suis ravi de vous interviewer parce que c'est la première coopérative finalement que je rencontre et je pense qu'effectivement, il y a aussi des avantages à la coopérative. Absolument. Dans le sens où tout le monde est impliqué, obligatoirement impliqué dedans et je pense que c'est peut-être aussi ça qui fait la longévité de l'enseigne. Oui, aussi. C'est historique, c'était à l'origine, ouais. c'est Joue et Club est né du rassemblement en fait de commerçants qui étaient déjà présents un peu partout en France et donc qui ont décidé, parce que c'était le moment où les enseignes commençaient à exister, qui ont décidé de se rassembler sous une enseigne Joue et Club. Réunir leurs forces. Voilà. Et donc finalement,
de rester des commerçants très forts au niveau local, mais en même temps d'avoir une visibilité et une audience au niveau national et de devenir un point de repère. Puisque la marque, en fait, est un point de repère et un point de référence pour les consommateurs. Et donc ça, ça leur a donné une force supplémentaire. Et donc, à travers la marque, c'est ensuite ce groupe d'hommes et de femmes entrepreneurs qui ont su faire évoluer l'enseigne, son positionnement, ses propositions consommateurs, son offre produit, les marques exclusives aussi. Jouet Club dispose d'une gamme de 11 marques exclusives qui représentent près de 20% du chiffre d'affaires des magasins. Donc tout ça, ça donne des forces à chacun des commerçants indépendants, ce qui fait que Jouet Club réunit à la fois la force d'une grande marque à forte notoriété et en même temps la force d'un commerçant indépendant qui est capable de trouver des solutions locales rapidement, parfaitement adaptées aux besoins de ses clients tous les jours. Et avoir aussi un feedback du coup directement du terrain. C'est vrai qu'il y a certaines enseignes qui peuvent un peu, ben voilà, s'ils sont dans leur bureau, qui n'ont que des franchisés, sans eux finalement avoir beaucoup de magasins, n'avoir qu'un point de vente, des fois ils se retrouvent un peu déconnectés finalement du client final. Et là au moins ça vous permet effectivement d'être toujours, on va dire, en contact sur le client final. Absolument. Parce que c'est quand même lui qui fait, j'ai envie de dire, la pluie et le beau temps, c'est lui qui choisit son enseigne. Et on sait qu'aujourd'hui c'est concurrentiel, tous les secteurs sont devenus concurrentiels, donc il faut vraiment que votre marque elle soit au contact des clients. Absolument. C'est ce qui fait la force en fait du système Jouet Club, c'est que on est dans cette capacité à ressentir et analyser et à décider des évolutions par rapport à ce que l'on vit au quotidien dans les magasins. Ouais. Mais en même temps, il y a une adaptation sur l'offre produit, puisque vous voyez là, on est au mois de mars et on est déjà en train de travailler Noël 2018. Voilà. Donc il faut énormément d'anticipation. Mmh. Et puis ensuite, c'est une force collective qui va permettre de déployer des magasins au niveau national, mais qui vont bénéficier directement à chaque commerçant. Donc, et ça, c'est une solution aujourd'hui qui vous permet, vous, en tant que commerçant indépendant, de résister dans un jeu concurrentiel qui effectivement se durcit un petit peu plus, et dans un jeu concurrentiel qui évolue avec la montée en puissance de l'Internet. Et donc quand vous êtes commerçant indépendant, vous bénéficiez de la puissance de la marque sur Internet, vous avez des retombées positives pour votre commerce au quotidien. Effectivement, aujourd'hui, voilà, quand on est surtout dans les domaines très concurrentiels, je pense que l'apport de marque, c'est vraiment quelque chose de primordial, parce que c'est quand même difficile aujourd'hui, surtout dans un métier comme ça où on se prépare longtemps à l'avance, parce qu'il faut préparer Noël, il faut être sûr d'être dans les bonnes tendances, parce que si vous passez à côté, votre chiffre d'affaires, votre résultat, vous allez souffrir terriblement. Absolument. Donc c'est vrai que là, voilà, vous avez vraiment un support là-dessus. Le jouet, c'est quand même quelque chose où Noël reste vraiment la période phare de l'année. Voilà, Noël, c'est 50% des ventes. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, à Noël, c'est là où tout le monde veut vendre du jouet et parce que tout le monde veut en acheter. Et donc, là, la force de la marque, elle permet d'être un repère important et un gage de qualité, de sérieux et de sécurité pour les consommateurs. Et puis, on vend aussi du jouet toute l'année. Ouais. Et là, c'est une autre forme de relation avec nos consommateurs qui se fait au quotidien. Mmh. Et là aussi, la marque Jouet Club est un repère. Et donc finalement, c'est chacun au quotidien qui va contribuer à créer cette force de Jouet Club et qui va assurer le succès, comme on le constate depuis 65 ans maintenant. Merci beaucoup, Franck, pour toutes ces informations. Merci à vous. Je pense que vous en connaissez maintenant beaucoup plus sur Jouet Club, et moi aussi d'ailleurs. Oui. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à partager cette vidéo avec des gens que vous connaissez et qui sont intéressés par cet univers, l'univers de l'entrepreneuriat. En ce moment, comme toujours, je vous offre une vidéo. Je vous montre en fait mon parcours, comment moi j'ai débuté en franchise, les marques avec lesquelles je travaille et mes magasins. Il vous suffit de cliquer ici sur le lien qui apparaît en ce moment à l'écran pour vous inscrire et la visionner. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci.